Aurélie, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. Et je vous propose une nouvelle fois un dupe de la marque Gressa. Et cette fois-ci, il s'agit du bronzer. Je vous rappelle que je vous ai proposé récemment le fond de teint. Donc c'est vraiment le même esprit. Un produit qui est assez concentré, très fort en pigmentation. Dans une petite contenance, il est commercialisé aux alentours de 50€ pour 15 ml, ce qui est fort onéreux. On commence d'abord par la phase huileuse qui comprend 36% d'huile de brocoli, 30% de coco fractionné et 6% de coco silicone, auquel j'ajoute 0,1% de vitamine E pour une bonne conservation. C'est optionnel, mais j'ai également décidé de rajouter une petite touche de parfum avec la fragrance fleur de vanille à hauteur de 1,2%. Et ensuite, on passe à la phase des pigments. Le mélange que vous voyez qui est de couleur blanche contient donc 0,6% de natrasorbe, 0,49% de poudre de riz, 12% de silice et 5,4% de stéarate de magnésium. Et je vais donc lui rajouter des colorants. J'utilise un mélange de couleur sable doré qui est tout prêt à hauteur de 6,3% avec une petite pointe d'oxy noir à 0,6% et enfin j'ajoute l'ultramarine violet à hauteur de 1,2%. Et pour terminer, il suffit tout simplement de réunir les deux phases. On mélange soigneusement jusqu'à temps que la préparation soit complètement homogène et la couleur parfaitement bien développée. Et comme d'habitude, la recette détaillée est disponible sur le site calibeauty.com. Comme vous le voyez, il s'agit d'une couleur qui est très riche et intense, qui nous permettra d'avoir un produit extra pigmenté. Une seule petite goutte suffit pour véritablement bien teinter la peau. Notre dupe n'a donc rien à envier à celui de chez Gressa. C'est parfait, ça se travaille facilement, donc idéal pour les débutants. Vous ne pouvez pas faire de bourde puisque ça s'estompe vraiment à merveille. On peut renforcer l'effet tout simplement en superposant les couches de produits comme vous allez le voir dans la démo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker pour me faire savoir. Dites-moi aussi si vous voulez que je réplique également l'highlighter de chez Gressa. Vous pouvez me le mettre en commentaire ou bien liker également la vidéo pour me manifester votre envie et votre enthousiasme. Enfin, n'hésitez pas à repartager ce sujet auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, filez vite vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. À bientôt les câlinettes.